créateurs de contenu sur YouTube commencent à recevoir des revenus dus aux publicités que YouTube met sur des vidéos une fois qu'ils ont atteint 4000 et 1000 subscribers. Et le montant que vous recevez va croissant plus vos abonnés augmentent. C'est ainsi que vous avez un palier pour 10 000 abonnés, 100 000 abonnés, 1 million d'abonnés et bien plus. Dans cette optique, plusieurs YouTubeurs se font des milliers de dollars par mois, voire même des millions par an. Et c'est pourquoi j'ai décidé de partager avec vous aujourd'hui quelques astuces et tactiques qui vous permettraient d'optimiser vos rendements et le succès sur YouTube. Nous allons parler entre autres ici de comment mettre sur pied une bonne stratégie SEO qui signifie Search Engine Optimization, qui est la procédure qui vous permet de faire des bons choix aux bons endroits afin de cibler les publics qu'il faut et optimiser le rendement et le succès de vos chaînes YouTube. Également, nous parlerons également d'un autre modèle qui permet de gagner de l'argent en tant que YouTuber, qui est en réalité le concept de affiliate marketing, qui signifie en fait quoi? Qui signifie en fait d'être associé à des différentes productions ou des différentes applications dont vous obtiendrez des codes et que vous partagerez dans vos chaînes YouTube à travers des vidéos et amènerait des gens que ça peut aider à souscrire. Donc je vais développer dans cet épisode un exemple simple pour procéder à cela. Sans plus tarder, allons-y. Donc nous allons commencer par SEO, qui signifie Search Engine Optimization. Comment est-ce que on pratique? On va aller sur une page incognito Google où on va ouvrir YouTube et on va taper des recherches, ok? On tape des recherches sur des mots concernant les idées sur lesquelles on souhaite faire des vidéos YouTube, ok? Là, par exemple, je tape comment, ok? Je tape espace. Je vais taper la première lettre en la variant en fonction de l'idée que je souhaite avoir. Par exemple, quand je tape G, vous voyez, comment gagner sur plusieurs aspects sortant en dessous. Celui qui est en première ligne, en général, c'est celui qui est le plus cherché. Donc, si vous pouvez faire une vidéo sur celui qui est en première ligne, si vous avez des bonnes idées, automatiquement, vous aurez une bonne audience parce que ce sont des mots qui sont les plus cherchés sur YouTube. Et attention, vous devez le faire sur une page Google incognito parce que si vous le faites sur votre page Google, sur votre navigateur Google courant, vous êtes d'accord avec moi que le cache aura retenu déjà ce que vous cherchez d'habitude et ça ne va pas vous apporter de bons résultats. Là, par exemple, je tape maintenant comment AV. Vous voyez, ça me propose avoir, comment avoir de l'argent, comment avoir des rebuts, vous voyez, si je continue avec avoir, je varie, je mets peut-être B, vous voyez, des propositions sortent. Donc ça, c'est en fonction des recherches, ce que les gens viennent chaque jour sur YouTube taper pour rechercher. Dans les grands volumes, les premiers sont en général les meilleurs. Quand je tape maintenant intelligence artificielle, _ argent, ça me propose toutes les recherches qui mettent en lien l'intelligence artificielle et l'argent. Vous voyez, ça inverse les résultats. Donc, ça, ce sont les petites techniques. Voilà, maintenant, je vais essayer un peu 24 outils IA pour voir, parce que j'ai fait une vidéo sur l'intelligence artificielle dernièrement où je parle de 24 outils IA gratuits et utiles pour l'année 2024. Quand je tape juste 24 outils IA 2024, vous voyez, dans la recherche, je ne ressors pas. Je vais enlever 24, je vais laisser juste outil IA 2024. Jusque là, je ne ressors toujours pas dans la recherche. Pourquoi? Qu'est-ce qui justifie cela? C'est justifié par le fait que j'ai pas choisi les bons mots. J'aurais dû peut-être commencer le nom de ma vidéo par outil IA et compléter maintenant gratuit et utile et autres et le nombre par la suite. Donc ça, ce sont les petites stratégies que vous devez avoir. Vous voyez, jusque là, présentement, on ne me retrouve pas. Je vais encore essayer de changer un peu. Donc là, je fais outil IA gratuit et utile. Vous verrez que sur cette recherche, vous voyez, là, je suis en première position. Mais là, vous êtes d'accord avec moi que j'ai dû apporter trop de précision. D'accord? Donc, vous devez vous rassurer à ce que le titre que vous donnez à vos vidéos fait partie des titres les plus cherchés, en fait. Pour être sûr qu'on va vite vous retrouver dans le moteur de recherche YouTube chaque jour. C'est la meilleure façon. Quand je tape maintenant IA gratuit et utile, je ressors toujours, mais je ne ressors plus en première position. Je suis loin en bas.
parce que les titres, les mots que j'ai choisis ne sont pas ceux les plus recherchés. Ouais. Intelligence artificielle utile. Parce que je n'ai pas mis intelligence artificielle dans mon nom également. Je ne suis pas en train de ressortir là tout de suite. Vous comprenez un peu? Donc, ce sont les petits détails sur lesquels vous devez être précis. J'aurais vraiment aimé avoir tous ces détails quand j'ai commencé ma chaîne YouTube. Vous voyez, je sors un peu loin en bas là-bas. Donc, à la base, je n'ai pas commencé ma chaîne YouTube pour monétiser. C'est pourquoi je sens des stratégies que je n'avais pas. Et je pense qu'ensemble, nous allons grandir. Mais maintenant, j'ai une solution IA qui vous résout tous ces problèmes. Vous n'aurez plus besoin de chercher. Avec VidIQ, désormais, vous aurez juste besoin de souscrire à cette page et gratuitement. Et vous aurez des idées de vidéos chaque jour. OK? Comme vous pouvez voir sur la gauche, vous pouvez observer vos résultats. Vous pouvez voir sur la droite ce qui vous reste pour pouvoir commencer à monétiser votre page. OK? Vous avez des idées de vidéos chaque jour. L'avenir de votre chaîne YouTube. Avec l'IA, vous voyez, ça vous donne des statistiques très haut, c'est très recherché. Donc, VidIQ, en fait, c'est quoi? C'est une application qui va sur YouTube et qui regroupe tout ça pour vous. Dans la deuxième partie, vous avez les idées, ok? La troisième partie, vous avez AI Generation qui peut vous permettre à travers d'un titre de générer un script jusqu'au thumbnail, c'est-à-dire jusqu'à la miniature de votre vidéo. Et ce, en fonction de ce qui est demandé sur YouTube, parce que c'est directement connecté. Dans la prochaine page, nous avons l'option de mots-clés. Ici, vous pouvez produire une vidéo. Avant de produire une vidéo, d'ailleurs, vous venez vous taper un peu le titre ici également, et puis vous validez. Et puis, ça va vous donner les pourcentages de recherche de ces mots-là. OK? Comme là présentement, SEO Optimization et Affiliate que je suis en train de faire maintenant. Vous voyez? Voilà un peu, vous voyez sur la droite, vous avez quelques mots-clés qui sont recherchés et vous avez les scores dessus. Quand c'est vert, c'est que c'est à peu près bon. Si c'est rouge ou orange, vous savez que c'est pas bon. Vous avez les concurrents et en cliquant sur mots clés associés, vous avez encore plus de mots associés que vous pouvez utiliser également, que vous allez coller dans vos tags, dans la partie de vos tags. La prochaine page, je vous montre vos concurrents, ok? En fonction de votre niche, vous pouvez voir tous vos concurrents, ok? Voir un peu ce qu'ils produisent, comment est-ce qu'ils parviennent à réaliser les meilleurs chiffres que vous. Donc là, ce sont les meilleures vidéos de vos concurrents et tout, que vous pouvez observer et autres. Et puis après ça, vous avez la rubrique où vous pouvez avoir des informations sur vos abonnés. Bon là, il faut souscrire à la version premium. YouTube, as well as the views per hour, common interest with your channel. Donc, vous pouvez suivre ça, ok? Ce sont les pratiques, vous aurez des vidéos qui vont vous aider à améliorer votre chaîne. Vous avez SEO. I'm Ron Wilson. Welcome to VidIQ. On existing videos by adding tags based on searches coming into your videos. You can sort the videos by either highest search opportunity or most recently analyzed. Once you've identified a video visibility, all changes are automatically saved to your YouTube videos. Bulk SEO can be an incredibly powerful tool. Donc, vous voyez, vous pouvez pratiquer tout ce qui vous enseigne ici là, à vos chaînes YouTube, à vos vidéos et avoir le maximum de vues. Et puis la dernière fois, vous avez Event où ils ont les différents tutoriels sur comment réussir sur YouTube. Ils vous donnent des astuces sur comment faire vos thumbnails, comment planifier votre business YouTube et bien d'autres. Et puis après ça, vous avez AI Coach Option. Ici là, vous pouvez poser des questions au coach. Ce coach, c'est celui qu'on vous attribue une fois que vous ouvrez votre compte. C'est en fait une intelligence artificielle. Mais une fois que vous allez upgrade à la version premium, vous aurez des coachs physiques même avec qui vous pouvez discuter. Les experts qui ont fait des millions d'abonnés sur YouTube et qui vous donnera des bonnes questions, les bons conseils. Donc là, présentement, par exemple, vous verrez que j'ai demandé ce qui peut bien marcher sur ma chaîne et il m'a proposé plein d'idées. Donc voilà un peu ça. Voilà les montants payants. Celui le plus bas, c'est celui de 10 $ par mois là. Donc, ça, on passe à la prochaine option qui est Rapid Tags, ok? Vous allez utiliser Rapid Tags en général pour générer rapidement les mots-clés, les tags aussi que vous allez utiliser dans vos vidéos YouTube. Donc, vous mettez juste le titre comme j'ai mis là, 24 outils
gratuit, plus utile. Ok, vous tapez entrée, ça vous génère les mots clés. Vous copiez, vous venez simplement dans votre vidéo. Vous allez les coller au niveau des tags. Les tags, c'est quoi? Ce sont ce qui va vous permettre en réalité d'amener à votre audience à vous retrouver. Donc, quand vous mettez aussi des bons tags, comme vous avez vu sur le moteur de recherche dans la page incognito tout à l'heure, vous vous ferez retrouver facilement et c'est comme ça que vous feriez des vues. Et donc, on va passer à la prochaine étape là maintenant. Okay? La prochaine étape, c'est l'affiliate marketing dont nous allons parler là tout de suite. Donc, pour ce cas, je vais prendre le cas de VidaCube dont je suis associé. Okay? Donc, vous venez simplement, vous allez descendre sur la page jusqu'en bas. Et c'est d'ailleurs le cas pour toutes les pages qui proposent la fonction ou bien le service d'affiliate. Vous allez descendre loin en bas et vous verrez affiliate en général en bas des pages qui proposent ce service. Comme vous pouvez le voir là, nous avons affiliate. Vous allez cliquer sur ce affiliate là. Ok. Une fois que vous cliquez sur ce affiliate, vous allez atterrir à une nouvelle page. Ok. Où vous allez simplement donner le URL de votre chaîne YouTube. Vous allez valider et ils vont vous générer un code que vous pouvez utiliser dans votre vidéo. Tout comme celle que j'ai laissée là. N'hésitez pas à souscrire et abonnez-vous. Allez-y, checkez VidaIQ. J'ai laissé le lien juste dans la description. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant, laissez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne pas manquer des contenus encore plus intéressants. Mais avant tout, laissez-moi vous rappeler qu'ici nous parlons d'intelligence artificielle, comment gagner de l'argent sur Internet et entre parenthèses, quelques astuces pour l'immigration aux États-Unis. À très bientôt.